Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose basbousa au chocolat. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام اصدقائي، نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال. هذا النهار نقدم لكم بسبوسه بالشوكولاته. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de 200 g de semoule fine, pincé de sel, un verre du lait égal à 100 ml du lait, la moitié du verre du beurre avec la moitié du verre de huile normale, 100 g de sucre. Un verre de sucre et la moitié du verre de noix de coco, 80 g, 11 g de levure chimique, chocolat noir, chocolat blanc et 3 œufs. بالنسبة للمقادير احتاج 200 غرام ديال السميدة الرقيقة مع قبصة ملح، كاس ديال الحليب ما يعادل 100 ملل، ونصف كاس ديال الزبدة مع نصف كاس ديال الزيت، 100 غرام ديال السكر ما يعادل كاس، ونصف كاس ديال نواة كوكو ما يعادل 80 غرام، 11 غرام ديال الخميرة الكيميائية، والشوكولات الأبيض والأسود، وثلاث بيضات. Premièrement, je vais prendre le mixeur à chaud le khalat et je vais mettre le lait ou adif le halib, l'huile, le zit, le beurre ou le zibda. Les œufs ou le bed. Sucre ou sucre, pincé de sel, qabsat le melh, mélange juste un petit peu, on khallat wahed chouya. J'ajoute la soumoule, on ضيف smida, noix de coco. Et la levure chimique, ضفت جوز الهند والخميرة. Et je mélange. Je vais mettre la moitié de mélange. Je vais faire un peu de khalet. J'ai déjà chauffé le four à 180 degrés. Je mets mon plat juste 15 minutes. Je vais mettre le four à 180 degrés. Je vais mettre le four à 15 minutes. Juste un petit peu et je le fais sortir. Et voilà, après 15 minutes, je vais mettre le four à 15. Regardez-moi ça. Et je vais mettre le chocolat. Je vais mettre le chocolat. Et maintenant, je vais prendre mon mélange et j'ai trouvé qu'il est
ان بو ايبي. خديت الخليط ديالي وشفت بلي انه ثقال شويه. جو في ميتر ان بو دو لي دون لو ميلونج. غادي نضيف واحد شويه ديال الحليب على الخليط. سي نورمال كار لا سومول لي لابسورب ترو ليكيد لان السميده كتشرب السوائل كثير. J'ai ajouté presque la moitié du verre du lait d'oft hawalei, nisf kas dial lib. Et là je vais mettre mon mélange sur le chocolat. Et maintenant je vais le remettre au four 30 minutes. On va le mettre au four 30 minutes. Et voilà, je la laisse refroidir un petit peu et après on revient. Je vais la laisser un petit peu. Soit je vais mettre le sirop, c'est-à-dire un verre de sucre avec un verre d'eau, un petit peu de citron, je vais le faire cuire des minutes, soit un petit peu de miel ou bien de la confiture. Il m'a dit de faire un peu de sirop, qui m'a dit casse de la maman, casse de sucre, un peu de lime, 10 minutes, on va faire la wajh le gâteau ديالي, ou on va faire la confiture ou la ديال العسل. Mais en fait, je vais faire Nutella, on va faire un peu de Nutella à la wajh ديال البسبوسة بما أن شوكولا شوكولا. J'ai un peu d'amande, un peu de l'os, et vous faites ce que vous voulez comme décor. Nisbali comme ce que vous voulez, je comme Nisbali.
Et voilà mon gâteau pour aujourd'hui, basbousa au chocolat. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي اليوم بسبوسة بالشوكولات. إلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.